Bonjour tout le monde! Profitez de l'art! Enjoy art, enjoying art. Dans cette vidéo, on va réviser comment parler de différentes formes d'art, que ce soit dans les musées ou dans les rues. So, either in museums or on the streets. Décrire les caractéristiques de diverses formes d'art ou de performances artistiques et poser et répondre à des questions à propos de mes opinions sur l'art. Décrire l'art visuel. Maintenant, faites attention aux mots soulignés et aux mots en rouge. So make sure you pay attention to the underlined and the words in red. Comme j'aime l'art. Allons au musée pour voir quelques œuvres d'art. Et œuvre d'art is a work of art, une œuvre d'art. Mais je n'aime pas les peintures. Peinture. Il y en a beaucoup sur la photo. There's a lot of them in the picture. But painting, peinture, une peinture et painting. Outre des peintures, apart from paintings, il y a aussi des sculptures, des croquis au fusain et bien plus encore. Sculpture, bien sûr, c'est comme en anglais, sculpture. Et des croquis au fusain are charcoal drawings, charcoal sketches. Regardez ce dessin. Ce sont de petits oiseaux. Les couleurs sont pâles. Il semble que l'un des oiseaux est en train de tomber du ciel. Et il y en a un autre qui est sur une branche. Vous voyez? La disposition des éléments du dessin est intéressante. La disposition, the layout, how they're arranged. Les oiseaux sont disposés de manière fragmentée. Eh bien, moi, je pense que c'est très ennuyeux. Boring. Regardez cette installation artistique. Qu'elle est belle! Elle est vraiment originale. Oui, la symétrie et la texture sont très intéressantes. Et qu'est-ce que c'est en dessous? What's below? Je ne sais pas. Ça doit symboliser quelque chose. Eh bien, j'aime ça. Ça a l'air très calme. It seems very calm. Wow! Ce tableau est fascinant. Les couleurs sont très vives. L'ombre des légumes lui donne une forme en 3D. So l'ombre, the shadow, des légumes, of the vegetables, lui donne une forme en 3D, gives it a 3D appearance, a 3D shape. L'ombre des légumes lui donne une forme en 3D. Il semble que l'homme est sur le point de rire. Seems like he's about to laugh. Il est sur le point de rire. Il semble, it seems. Oui, l'ambiance de ce portrait est très joyeuse et gaie. Ça appartient à quel genre? Est-ce abstrait, surréaliste
impressionniste? Je ne sais pas. Ok, maintenant, révisons le verbe être. On utilise le verbe être pour décrire des personnes, des choses, des endroits, right? People, places, things, describing, right? Je suis, répétez, je suis. I am. Tu es. You are. Il, elle, on est. He, she, one, or we, is. Nous sommes. We are. Vous êtes. You are. Formal or you all are. Ils, elles sont. They are. À vous maintenant. Traduisez ces phrases en français, s'il vous plaît. Je vous ai donné quelques adjectifs entre parenthèses. Je vous ai donné la forme masculine et au singulier. So I gave you the masculine singular of the adjective. Remember that if you have a feminine noun, you have to add an E. And if it's plural, you have to add an S. So you can pause here because I'm about to give you the answers. Les peintures sont colorées. La sculpture est fissurée. Le théâtre est au centre-ville. La performance artistique est très émouvante. Très bien. OK. Explorez d'autres types d'art. Exploring other types of art. Quelle visite amusante, hein? Allons voir plus d'art. Let's see some more art. Mais c'est le seul musée de la ville. It's the only museum in town. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? What are we gonna do? L'art a plusieurs formes, many forms. Il y a l'art urbain, ou bien le street art, la musique, la danse, le théâtre, la performance artistique. Les êtres humains sont très créatifs. La performance artistique, qu'est-ce que c'est? What is it? C'est une forme d'art qui combine l'art visuel et l'art dramatique. Cool! Comment est-ce qu'on peut voir cela? How can one see that? Où est-ce que les performances artistiques ont lieu? Où, where, ont lieu, take place. So where do they take place? Eh bien, je sais que Nikki Dahl fait un spectacle aujourd'hui. Qui est Nikki Dahl? Et quel type d'art est-ce qu'elle fait? C'est une drag queen française. Et la photo, c'est d'une drag queen mexicaine. Je n'ai pas pu trouver d'image de Nikki Dahl qu'on peut utiliser dans la vidéo. Mais Nikki Dahl, c'est une drag queen française. Le drag est une forme de performance artistique. Je dirais que c'est là où le glamour rencontre la comédie. So it's a form of artistic performance, a performance art. And I would say, je dirais que, I would say, that is where glamour and comedy meet. Je dirais que c'est là où le glamour y rencontre la comédie. Intéressant. Quel est le thème des spectacles? Est-ce qu'il y a un thème? Is there a theme? What's the theme? And is there one? Dans un spectacle typique,
Normalement, les drag queens chantent en playback, lip sync. Elles dansent, chantent ou font du stand-up. Mais la chose la plus importante est qu'elles abordent les problèmes d'inégalité et de marginalisation. So they take on these subjects, they confront these, they address these subjects, these problems of inequality and marginalization. Wow! Pourquoi est-ce que tu sais autant sur le drag? Wow! Why do you know so much about drag? Parce que je suis super fan de Nikki Doll. OK. Et alors, les mots interrogatifs, which is a fancy word for question words. Que ou qu'est-ce que, what, qu'est-ce que tu vois, what do you see? Comment, comment est-ce qu'on peut voir, how can one see? Or it's a polite way of asking, huh, like what, comment, just by itself. Quel, you saw these in some previous ones where it's which or what. Quel type d'art, what type of art. In French, you have to say which type of art. Quel type d'art. Qui, who, qui est-ce, who is it. Quand, when. Combien, how much. Combien de, how many. Combien de peintures, how many paintings. Où, where, où est-ce qu'on peut voir une performance artistique, pourquoi, why, et à quelle heure, at what time. So there are even more of these, but let's start with these question words. Maintenant, à vous. Why do you like art? Who is the artist? And what genre of art do you prefer? Traduisez ces phrases en français. And you'll use those question words. You can rewind a little bit to see those question words and to see the examples that I gave before them. You can pause it and write out your answers because I'm about to give the answers. Pourquoi est-ce que tu aimes l'art? Qui est l'artiste? Quel genre d'art est-ce que tu préfères? Très bien. OK, décrire et comparer nos opinions sur l'art. So now we're going to do some comparisons of our opinions. Qu'est-ce que tu en penses? What do you think about it? Est-ce que tu as aimé le spectacle de Nikki Doll? Did you like her show? C'est très similaire au théâtre, n'est-ce pas? Pourquoi tu dis ça? Ça me rappelle une pièce d'improvisation. Elle avait beaucoup de participation du public, audience participation, et un contrôle à 100% de la scène, and complete control of the stage. Oui, bonne observation. Je pense que c'était plus informel qu'une pièce de théâtre. More informal than a play. Et moins fade que le théâtre aussi. And less dull, moins fade, moins less fade, dull than theater as well. Tu penses? Je pense que les pièces de théâtre sont aussi captivante que le drag. So I think plays are as captivating as drag. Ils sont seulement différents. Oui, tu as raison. Je veux dire, on est d'accord que le drag est moins traditionnel que le théâtre. So oui, tu as raison. Yes, you're right. Je veux dire, I mean,
On est d'accord, we agree, que le drag est moins traditionnel, less traditional, que le théâtre. Et que le drag est plus provocant que le théâtre. More provocative than theater. Et oui, le théâtre est aussi divertissant que le drag. So, theater is as entertaining as drag. Aussi divertissant. Ça dépend de ton goût. Depends on your taste. Oui, bien sûr. Pour moi, la forme d'art la plus intéressante, c'est les arts visuels. Et pour moi, sans vouloir te vexer, without wanting to offend you, no offense, c'est la forme la moins intéressante. So I think it's the least interesting. La plus intéressante, the most interesting. La moins intéressante, the least interesting. La meilleure partie de ma journée est quand je regarde Nikki Doll. Elle est la meilleure drag queen, à mon avis. So, la meilleure partie, the best part of my day, de ma journée, is when I watch, et quand je regarde Nikki Doll, elle est la meilleure drag queen, à mon avis. She's the best drag queen, in my opinion. À mon avis, in my opinion. Oui, sans doute, Nikki Doll est la plus remarquable de toutes les drag queens. The most remarkable. OK, et alors, les comparaisons. So if you want to say more than, you say plus and then the adjective and then que. So, ce tableau est plus beau que l'autre. Aussi que, as, blank, as, ce tableau est aussi beau que l'autre. This painting is as beautiful as the other. Moins que, less, blank, than. Ce tableau est moins beau que l'autre. It's less beautiful than the other one. We have some irregular comparisons, better than and worse than. L'art impressionniste est meilleur que l'art abstrait. Impressionist art is better than abstract art. Pire que, worse than, l'art brut est pire que l'art dada. So, Brutist art is worse than dada art. And you can see in the parentheses that you have to make agreement, just like you would with adjectives. You add an E if it's feminine, S if it's plural. S if it's plural for pire, worse than. Okay, the most and the least, whatever, adjective. Mon fils est le plus créatif de la famille. He is the most creative, so it's going to be le plus créatif, le and créatif au masculin, parce que c'est mon fils, il est masculin. Ma fille est la moins bavarde de la famille. She's the least talkative of the family. So we have la and bavarde, feminine forms, because it's ma fille, my daughter. So the most, you put le, la, les, and plus, and then the adjective, the least, le, la, les, depending on who or what you're comparing, moi, and then the adjective. Now we have superlative, irregular superlatives. So those were called superlatives, the most, whatever. Now we're going to talk about the worst, the best, and the worst. So we have le, la, les, meilleur. You have to make those same agreements. Le, la, les, pire, again, same grammatical agreements in gender and number. Mon fils est le meilleur chanteur de la famille. He's the best singer of the family. Je suis la pire cuisinière de la famille. I'm the worst cook in the family.
OK. So, maintenant, à vous, traduisez ces phrases en français. The painting is more interesting than the other. This painting is more interesting than the other. Theater is as entertaining as a movie. And this sculpture is the most popular of the three. And you can pause here and go back to look for some of this vocabulary or to go over those comparisons. And now I'm going to read the answers. Cette peinture est plus intéressante que l'autre. Le théâtre est aussi divertissant qu'un film. Cette sculpture est la plus populaire des trois. Okay, and you'll see that I've made the agreement, of course, with the between the adjective and whatever the first thing was in that comparative. So, cette peinture féminin est plus intéressante que l'autre. Okay, so after engaging with our dialogue video, flashcards, and activities, don't forget to tune in and put all your skills into play with our mission on exercice 2, exercise 2, designed for your interactive practice. Remember to leave your answer in the comment section where our instructors will respond. Et sur Padlet, on Padlet, dites-nous, est-ce que vous aimez l'art? Quel est votre genre préféré? Et pourquoi? Dites-le nous. Merci et à bientôt.